Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playrooms de l'épisode de Elite Dangerous Horizon, chers amis. Donc, nous allons à Nelson Enterprise. Donc, tout dans le système, nous avons fait quelques petits sous, hein, vous avez pu voir, hein, normalement. On en a combien à peu près? Il y en a un Wulpuruna, non, c'est pas là, c'est Spox, nous, qu'on est. Spox. Bah, excellente question. C'est dans la fédération apparemment qu'ils sont passés, hein. Bah écoutez, en tout cas, on va pouvoir se faire un petit peu de tout. On a quand même une grosse un gros carnet en fait, un gros cahier d'action entre guillemets. Un gros carnet d'action, livret d'action pardon. Non, je sais pas comment ça s'appelle. Non, je crois que c'est un carnet d'action, hein. Oh, je sais plus, livret d'action, je ne sais plus. Bref, on a de quoi se faire du fric, tout simplement. On a plus de 1 million. On a largement plus d'un million. Faudrait qu'on se les rende. Malheureusement, ça veut dire qu'il faut retourner dans chacune des stations. Et c'est compliqué. Enfin, c'est chiant surtout. Mais enfin bon. C'est comme ça. Alors. C'est parti. Oh là, il y a du... Ah, dis donc, c'est jaune. Je suis étonné. Visuellement, c'est pas cette couleur-là, j'ai l'impression. Mais enfin, bon. Est-ce qu'on peut atterrir dessus? Et on peut atterrir dessus, ça va faire une super image si on veut le faire. Alors. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a un RES de riche dans la région. Un truc de ressources. Comment ils appellent ça en français? Un site d'extraction de ressources, voilà, simplement. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Oula! Ai-je fait une connerie? Non, ça va. Ça va. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Nelson Enterprise, qui est une toute petite station, donc faut pas espérer avoir un million de... de quêtes là-dedans. Hop. Merci. Et en plus, ils nous font pas attendre, c'est génial. Qu'est-ce que c'est la mienne? Oui. Je pense que oui. Rack. La 3, c'est bien la mienne. Hop. Crac. Et bien en face. Hop. On accélère un petit peu si on ne va pas avancer. Alors, un B3. Ah, c'est marqué dessus, c'est cool. C'est cool. Appelé en douceur, service de spatioport. Plusieurs choses à voir, on va commencer par les contacts. Il y a les réparations, mais il n'y a pas le ravitaillement. Oh là, on a un demi-million de primes. D'accord, ça fait du bien. Ça, c'est cool. Il n'y a pas de ravitaillement, vous voyez. Il y a la réparation, mais il n'y a pas le ravitaillement. En soi, c'est pas extrêmement grave. Mission, oui, on va aller voir les missions. On va aller voir ça. On va bien voir, donc, ce qu'il y a à faire dans la région. Et si possible, on va se rééquiper d'un détecteur d'avis de recherche. Ça peut toujours être sympa. Et voyez, livré, donc... Alors, oui, par contre, on n'est pas dans la bonne... Là, par contre, il y en a plein. Oh, un demi-million à 41 SL, par contre. Oui, effectivement, il y a de la... Oula, donnez-nous des sous. Des sous. Ah non, apportez, d'accord. Oh la vache, 1 million pour buter le bonhomme. Ah, je pourrais peut-être envisager la chose. Ah. Un demi-million. Seigneur pirate, connard. Alors lui...
Lui, il a un nom génial. Par contre, ouais, t'as intérêt à le buter vite, hein. Parce qu'à mon avis, sinon il te défonce à une vitesse, lui aussi. D'accord. D'accord. Ça fait de la route, hein. Ça fait de la route pour un demi-million. On va peut-être pas s'y intéresser tout de suite. On va peut-être un petit peu retourner faire un petit peu de combat dans le RES, justement, qui est juste à côté. Hop, décoller. Il a 0,26 SL, donc il est pas très très loin. Et voir s'il y a moyen. Ah, je vais récupérer. Ah, blah, je vais mordre mon volant si ça continue. Je vais récupérer le détecteur de comment d'avis de recherche. Dommage. Dommage, dommage. Ma faute, ma faute, ma faute. Je suis trop con parfois. Souvent. Trop souvent. Trop souvent. Par contre, c'est de l'autre côté de la planète. Ça, c'est moyen. Ça, c'est moyen. Hop. Alors. Crac. Accélère un peu, Marcus, sinon on n'est pas rendu, on en a pour des heures et des heures. Effectivement, t'as raison, Marcus. Oui, je me parle à moi-même, ce sont des choses qui arrivent, chers amis. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Tout se passe assez bien. Bon. Tout au long de la journée, moi je fais que piloter. Ce jeu m'a promis de la liberté. Je sais pas, je cherche un truc. Bon alors. Roule ma poule. Roule ta boule. Comme vous voulez. Pourtant je suis copain avec les gens du coin. Hein. Oh là là. Comme cochon. Je crois qu'ils m'ont bien vu aider, du coup ils se sont dit. Bon, ce mec, il est balèze. Vaut peut-être mieux qu'on l'ait de notre côté. Et du coup voilà. C'est moi, c'est Dédé. C'est moi. Et me dis pas que je vais me cracher avant. Oh, c'est joli. C'est joli. C'est joli, c'est trop proche. Bon. Hello there. How are you guys? Oh, j'ai cru voir un truc ça. Ah non, c'est un radar. De toute façon, les radars, c'est tous des voleurs. Soyons honnêtes, ce header, on sait tous pertinemment qu'il est pas sympa. Vous voyez, il a largué de la cargaison tellement. J'ai cru voir larguer quelque chose en fait. C'était bizarre. C'est très 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 bizarre. Ok, bon bah il avait un casier vierge finalement. Je retire ce que j'ai dit. C'était un gentil. Peter. Tu sais que t'es recherché, Peter. Tu sais que t'es bientôt plus recherché, Peter. Voilà, Peter. Problème résolu, Peter. Pour 5000 crédits, tu vois, je... Aucune prime n'est trop faible, comme on dit. Ah, explosif simple, c'est pas bon signe. Je m'attendais pas à ça. Regardez dans le chat. Je vais te dépecer, Bleuzeuil! Je m'attendais pas à ça! Oh merde! Il m'est arrivé un truc, les mecs! On va booster un coup pour se rapprocher. Parce que là-bas, on a un bonhomme qui est pas très très sympathique. Un garde de l'Alliance. Moi qui joue à l'Anceux à la base, je suis un petit peu déçu que cet homme ne soit pas aussi bien qu'il est censé l'être. Alors. Mais bon, la corruption c'est partout, hein, même dans les jeux vidéo, les personnages de jeux vidéo n'y font pas exception. Il paraît que t'as un générateur dans cet endroit là. Le camp des perdants, non je crois pas, de ce côté là, là par contre, non je crois que pour le coup là, non le camp des perdants c'est pas moi, hein. Par contre avec 100 crédits sur toi, bah, c'est moyen. Agent fédéral. Ah ouais, attends.
Casier vierge, je préfère. Oula! Il y a eu un gros bourrage là-bas. Oh là là, il y a un putain de fight, ouais, même, je dirais. Viper MK3, Xaltotun. Xaltotun! Recherché. Allez, boost! Faut que tu puisses lui mettre un coup! Allez, Marcus! Allez! Allez, Marcus! Eh merde! Y'a Mikey par contre qui m'attaque. Mikey, mais non, mais. Mais Mikey! Mais Mikey! Plus ils sont gros, plus ils rapportent gros. Bah oui, écoute. C'est comme ça. Je me suis pris une prume! Oh non! Oh, je suis stupide! Je suis stupide! Fuite! Je suis stupide, j'ai subi, j'ai joué la menace, je me suis fait menacer. Enfin, je veux dire, vous avez compris. J'ai joué au con. J'ai joué au con, putain. J'ai littéralement joué au con. Ah, mais non, mais quel abruti. Quel abruti. En plus, le système, il est bien. On va se barrer ailleurs et on va y revenir d'ici 10 minutes. Mais non, mais il m'a menacé, du coup j'ai surréagi, j'ai joué le jeu, j'ai joué son jeu et c'est moi qui me suis tout bouffé. Ah, je suis stupide des fois, hein. Je fais non, je suis emporté. On va dire ça comme ça, pas empoté mais emporté. Je m'emporte facilement. Bon. Bah écoutez, je suis déçu de ma connerie parfois. Je pense que je vais faire une pause d'un quart d'heure et puis on verra bien. Je vais mettre le vaisseau plein de balles dans une direction, puis hop. Voilà. Bon bah à tout de suite, chers amis. À tout de suite. Hop. Wouhou. Bref. Oui, j'ai eu le temps de me nourrir en même temps. J'ai nourri le fauve, chers amis. J'ai nourri la bestiole. Du coup, on va reprendre, on a normalement plus, je l'espère, plus de problèmes vis-à-vis de cette, de ce système, des forces de ce système. En tout cas, il faut l'espérer. Et on va retourner au site d'extraction, tiens, pour la peine, vu qu'on est plus recherché. Voilà, ah, non, même pas. Réputation locale cordiale. Ah. Bon. Bah écoutez, apparemment j'ai même pas de... Bon. Bah on verra bien quand on va rentrer. Allons-y. Wouhou. Alors, on va retourner faire quelques kills. Pour le plaisir. Pour la forme. C'est rigolo, je m'attendais à avoir un peu plus de... De primes. C'est marrant que j'en ai si peu. Je m'en rappelle plus à vrai dire, chers amis. Mais ouais, c'est rigolo. Bizarre. Est-ce qu'être recherché supprime toutes les primes? Ouais, ça m'étonne, ce serait un peu stupide. Ce serait un peu stupide. Bon, on va bien voir, de toute façon on va faire quelques kills là, je pense. Donc bon. Mais de toute façon, il m'avait cherché aussi. C'est comme ça, c'est de sa faute. Il m'a insulté. Après m'avoir insulté, je me suis défendu. Bon, certes, pas avec des mots. Pas avec des lasers. Mais bon, hé. Oh, il était en train de m'attaquer. Je crois même qu'à l'instant, de mémoire, à l'instant où mes lasers ont touché, il m'avait déjà envoyé quelque chose dans la gueule. Qui était en train de m'arriver dessus. Donc c'est pour vous dire. Mais c'est vrai qu'une personne recherchée dans le système qui attaque une autre personne. Enfin, on devrait pouvoir attaquer sans mal une personne qui est recherchée. C'est vrai qu'il faut aller savoir qu'elle était recherchée. Allez. Je vous le cède. Je vous cède ce point. Bon, est-ce qu'il reste du monde du coup? Parce qu'il est encore riche le machin, du coup, j'ai en train de me poser des questions. Hello? Merde, y'a plus personne. Puis j'ai pas de klaxon là.
Ah, quelqu'un qui est arrivé du coup. On m'a entendu klaxonner. Ça y est, ça vient. Ça se bouscule. Anaconda, oulala. Agent fédéral, casier vierge, ça va. Deuxième anaconda et deuxième. Il y a un python aussi. S'il y a anaconda plus python, on n'est pas dans la merde. Recherché. Dis-moi pas que le python il est recherché aussi. Attends, ils étaient pas ensemble ou quoi? Oh là 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 là, le python. Oh là 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 là. Ça pue du cul. Hop les. Bonjour. Hop les. Voilà. Ils sont attaqués à l'anaconda. Mais non, il était à moi l'anaconda. Oula. Hop. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de... C'est bon. Hop, où est-ce qu'il est? Mince, j'étais trop concentré sur le truc. Ma faute, j'étais mauvais. Avec un peu de bol, mes copains vont m'aider. Merde, j'ai chié dans la colle, je suis désolé. Hop. Hop, les, allez. Allez. Crac. Hop les. Hop. Allez les générateurs, les générateurs, les générateurs. Putain, je l'ai raté. Allez, Marcus, tu peux faire mieux que ça. Oh putain. Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs à m'attaquer. Là, par contre, c'est la dèche. C'est un pauvre adder. J'ai plus de quoi. Allez, allez. Putain, je me fais défoncer. Non, non, je vais pas te laisser t'échapper. Je vais pas te laisser t'échapper. T'es fou, toi. T'es fou d'y croire. Putain, je l'ai raté, forcément. Bah oui. Oh con. Je suis trop con. Vous dites son générateur, vous dites son générateur, vous dites son générateur. Ah putain, d'adeur à la con. Est-ce que... Mais ils sont trois. Mais ils sont trois. Oh la gueule. Son générateur, Marcus, son générateur. Non, il va se barrer. Putain, il s'est barré. Et on a... Oh mais merde. Et nous on se fait violenter par un pauvre adder à la con. Je déteste ces saloperies. Et merde. Ah mais... Je crois qu'elle dit module malfunction en plus. Allez, butez-les, pute. Mais merde. Ok.
On s'échappe. Hop. Non, on s'échappe pas en fait. Défense. T'avais quoi? On en a loupé un. Pas la peine d'en louper un deuxième. Voilà, 12 000. L'autre salaud. Oh là, j'ai un canon qui tire. Fou. Toi là, les espèces d'opportunistes. C'est un opportuniste en anaconda quand même, hein. C'est pas rien. On cherche le générateur. Je vous souhaite une bonne journée, commandant. Le mec, il voit une carcasse. Une carcasse volante. Je vous souhaite une bonne journée, commandant. Ben oui, c'est, on la sent, la bonne grosse bonne journée, là. Hello! Mais non! Tiens, bouffe! Ça t'apprendra à vouloir me rentrer dedans! Ça t'apprendra à vouloir me rentrer dedans alors que j'avais mes boucliers! Débile! Ah là là! Bon, nous faut qu'on se barre! Oh la gueule, la faim! Ah pourquoi? Il semblait l'avoir fait pourtant. Ok, bon, là faut qu'on se barre, hein. On a pris extrêmement cher. C'est vrai qu'on y est allé. Et je vous rappelle que cette station ne nous donne pas de ravitaillement munitions. C'est son seul point faible. C'est son seul point faible. Et il faudra donc qu'on sera arrivé sur place. Je me suis loupé. Faudra quand on sera arrivé sur place qu'on regarde quelques stations, enfin quelques systèmes autour, pour voir si c'est une station genre très proche, que nous puissions faire l'aller-retour sans faire trop de, sans perdre trop de temps simplement, et voir si on peut pas y faire juste le plein de munitions. Principalement pas vraiment de munitions, mais de cellules d'énergie. C'est vraiment ce qui nous manque. Sinon ce système est parfait. Ok, on y va. Crac. Bah. Je pense que ça va conclure notre troisième épisode de la journée. Ou est-ce que j'en tourne un quatrième après derrière, je ne sais pas. Potentiellement. Dans ce cas-là, je vous esquive un petit peu toute la partie un peu chiante qui va être la recherche de la. Système en question, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa vis-à-vis de vous, chers amis. Alors, la voilà. On tente un. C'est. C'est chaud. Faudra déjà que je le. Attendez, je vais essayer de le. Hop. De modifier un petit truc. Et au niveau des touches, c'est dans divers, je pense. Vol divers. Voilà, c'est pas maintenir, ça va être alterné. Voilà. Hop, parce que là, je voulais maintenir le bouton, c'est chiant. Hop. Hop, on tente, hein. On tente, j'ai dit, hein. Oh la vache. Croyez-moi, c'est moins drôle que ça en a l'air.
Oh putain. Pourtant, il y a de l'indication. D'accord, je me suis même décalé. Ok, ça indique ma vitesse. Ok. Ok, on y va, en douceur. En douceur. Je peux vous dire que c'est chaud. Parce que je vais te compenser la vitesse que je donne en bougeant très très légèrement le pad, enfin le joystick. Ah, je touche. Ah, je touche à quelque chose. Du coup, il y a eu contact. Il y a eu bel et bien contact. Hop, je compense le rebond. Hop, je vais essayer de me poser. Oh la vache, c'est chaud. Oh là 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 là. Ok, bon, why not, hein? Moi ça me dérange pas, mais c'est d'une difficulté. Oh, oh la gueule. Ok. Réparation. Réparation, chers amis. Et nous, on va se laisser là. Donc, pour cet épisode, réparer 95 000. Je suis sûr que j'ai pas 95 000 de comment de prime. Ah, si, j'ai plus. Bon, je paye mes amendes. Excusez-moi. Hop. Voilà. Et on va se laisser là donc du coup pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, n'oubliez pas de trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yaaah!